Hello les Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un partenariat que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est Madame Glam, comme vous pouvez le voir. C'est un partenariat que j'ai accepté parce que tout simplement c'est mon kiff. Les vernis, c'est mon kiff, tout simplement. Là, je n'en porte pas depuis quelques jours parce que en plein déménagement, carton et tout le blabla, c'est assez difficile de garder un vernis plus de 2 jours qui ne s'écaille pas. Quand j'ai parlé avec la personne qui m'a contacté pour ce partenariat, elle m'a certifié que c'était des semi-permanents. Du coup, ça reste plus d'un mois sur les ongles sans s'écailler. Donc je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai un tas de vernis de toutes les marques Bourjois, Kiko et tout le blabla. Donc là, je vais tester cela. Alors ce qui est bien avec cette marque de vernis, c'est que c'est semi-permanent du coup. Du coup, ça reste longtemps. Pour ceux qui font le ménage comme moi tous les jours, c'est super, ça peut être super. C'est moins cher que dans les centres de beauté. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'on peut le faire soi-même. Parce que quand je vais souvent dans les centres de beauté, ok, elles le font bien, mais elles le font pas de la manière que j'aimerais le faire, vu que je suis habituée à le faire moi-même. Donc ce n'est pas forcément comme j'aime. Et c'est surtout que c'est plus cher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes dans le même cas que moi, mais souvent, quand on part chez une prothésiste ongulaire, ça peut arriver jusqu'à 120, 160, 200 euros juste pour se faire des ongles pour que ça tienne un mois. Donc, pourquoi ne pas essayer Madame Glam? Alors, ça vient comme ça dans un coffret. C'est trop beau, c'est noir avec des écritures dorées. C'est magnifique, j'adore. À l'intérieur, c'est de la mousse comme ça. Et il y a des vernis. Alors, il y a des vernis, oui, mais il n'y en a que 3. D'abord, pour commencer, il y a la base. Ensuite, il y a le top coat. Et il y a 3 couleurs. Et ce qu'il faut savoir, elles sont magnifiques ces couleurs, elles sont belles. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Ce qu'il faut savoir, voilà les vernis. Là. Alors, j'ai le Supreme Pink, j'ai le You Free Tonight. Je crois que c'est celui-là que je vais mettre. Et j'ai le Perfect Red. Alors, Perfect Red, en fait, j'aime mettre du rouge, mais j'ai l'impression que quand j'en mets, quand j'ai des ongles courts, j'ai l'impression d'avoir trempé mes doigts dans du ketchup. Donc, je ne vais pas mettre le Perfect Red aujourd'hui. Je vais plutôt mettre You're Free Tonight. Je vais mettre celui-là. Et bien sûr, avant, je vais mettre une base. Je vais mettre 2 couches de cette couleur et 1 couche de top coat. Donc je repose ça. Ce qu'il faut savoir avec ces vernis là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est qu'ils sont sans gluten, ils sont 100% vegan et ils n'ont pas été testés sur des animaux. Oui, ils sont sans huile de palme, donc vous pouvez y aller facilement, c'est bien pour la nature, c'est bien pour vous faire plaisir. Ok, ça a un coût. On va en parler à la fin, je vais vous dire les prix que j'ai regardé sur le site. Mais franchement, c'est vite rentabilisé à partir du moment où tu en mets une fois et que ça tient tout le mois. Tu le mets, tu peux le mettre 12, même 11 mois dans l'année, même quoi, 10 mois dans l'année, bah ça te revient moins cher. Parce que à la première fois que tu vas chez la prothésiste ongulaire, ça te revient à pratiquement 200 euros. Donc 60 le minimum, 60 euros le minimum, mais ça peut grimper facilement, rapidement. Donc ça, franchement, cette pochette-là, ça, c'est vite rentabilisé. Franchement, c'est vite rentabilisé. Avec une petite boîte de lampes UV. Alors, il y a en 2 couleurs, il y a en rose et en blanc. Et on me l'a envoyé en rose. J'adore. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout petit rikiki. C'est tout petit rikiki. Et ça tient facilement dans la main, genre ça fait une souris, genre. Ça fait facilement une souris, genre. Donc, il y a des petits pieds comme ça. Ça se range partout, hein. C'est vraiment compact, ça se range partout. Et pour l'ouvrir, il faut ouvrir là, là, et voilà. Donc on appuie une fois dessus, ça fait 30 secondes. On appuie 2 fois dessus, c'est 60 secondes. Il est conseillé de catalyser 2 minutes entre chaque utilisation, entre chaque couche de vernis. Il y a un petit chargeur dedans, enfin un long chargeur. Le chargeur, bah, tout le monde connaît, c'est une prise USB comme ça, que tout le monde connaît. Donc, je vais essayer. Je bois d'abord un coup parce que j'ai soif. Je vais essayer tout de suite et je vous filme mes ongles. Par me limer les ongles.
Je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait sur la plupart des ongles. Je vais commencer par me limer les ongles. J'ai déjà limé la plupart de mes ongles hier soir. Thank you.
Une fois que j'ai terminé complètement de mettre les deux couches et le top coat, je termine avec un peu d'alcool pour enlever l'effet gras, l'effet pâteux qu'il y a au-dessus. J'en remets un peu. Enlève la main. Ça y est, terminé. Recoucou les Frenchies, j'ai terminé de mettre mon vernis semi-permanent de Madame Glam. Alors franchement, c'est top, il n'y a rien à dire, c'est top. Par contre, il faut vraiment prévoir au moins une bonne heure. Au moins une bonne heure pour terminer de mettre tout ça. Parce qu'il faut catalyser entre chaque couche 2 minutes chaque ongle. Pour faire cela, c'est facile, mais pour les pouces, c'est assez chiant avec la machine. Ce qui est bien, le gros plus, c'est que ça se met facilement. Ce n'est pas trop pâteux, ce n'est pas trop lourd. Donc c'est assez facile. Ça se range facilement. Et franchement, allez-y. Alors pour ce qui est du prix, eh ben c'est simple. Ça va de 20 euros le flacon à 130 euros le plus grand, le plus cher. C'est le coffret, 130 euros. Et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vous avez plusieurs couleurs. Vous avez ça. Vous pouvez avoir 30% de réduction en rentrant le code qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et franchement, allez-y les yeux fermés. Le lien est dans la description box. Ça se met facilement. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs tons. J'aurais préféré qu'on m'envoie du nude, mais c'est de ma faute parce que j'ai pas choisi. Quand on m'a envoyé le message, j'ai accepté et j'ai zappé de choisir sur leur site. Du coup, on m'a envoyé des couleurs qui iraient bien avec mon ton, avec ma couleur. Donc ça va, je suis pas déçue. J'aurais aimé juste avoir des nudes, mais sinon, franchement, ça va. Franchement, ça va. Donc voilà, je vous conseille vivement Madame Glam. Pour ceux qui sont véganes, c'est vegan. C'est fait pour les véganes, c'est 100% vegan. C'est sans gluten, sans huile de palme et ça n'a pas été testé sur les animaux. Alors c'est basé à New York. C'est une marque américaine basée à New York. Ok, ça vient facilement, rapidement en fait. Ça vient rapidement, ça a pris quoi, une semaine pour arriver. Et franchement c'est bien, ils sont sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ils sont partout. Donc franchement c'est super, c'est une bonne marque, je vous recommande à 200% les yeux fermés. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye. J'adore mes ongles, ça fait genre Barbie. Bon là ils sont courts parce que faire le ménage et tout c'est chiant, je les laisse pas pousser. Quand je les laisse pousser ou quand je mets des faux ongles, j'ai l'impression de griffer Aaron à chaque fois quand je le lave ou quand je m'occupe de lui. Du coup, je les laisse assez courts. Je vais laisser un peu pousser et puis on verra. Hein. Voilà. On verra. Je vous referai une vidéo dans 2 semaines ou alors je vous montrerai une photo dans 2 semaines pour vous montrer l'état des ongles, pour voir si ça commence à s'écailler ou pas. Mais normalement, ça tient un bon mois, donc ça doit être bon. Bye.